Bonjour et bienvenue sur Pizza Life. Toujours ce petit Benzo Potter, Monsieur Potter Benzaï, qui est là, qui date de mes années sombres de première année de fac. Ma première année de fac, qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie à l'époque où j'avais pas encore de copine. Bref, Harry Potter, le célèbre Harry Potter, une marnille, c'est parti. Ce jeu vous avait manqué depuis hier, ils sont beaux, ce sont... De la découverte de l'étage interdit, hein. Fais quand même attention à Ruzard. Sans Gohan, rentre chez toi. Mustang. Mais peu importe, nous... Oh la gueule. Pas, ça. Fouf. 50 dragées. Mais pourquoi tu veux des putains de dragées? Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que par contre la cloche me rend dingue. Elle me rend dingue. Quand elle a son poum poum short. Attends, on est par où là? C'est par là? J'ai tout oublié. Ce jeu me fatigue. Bon, c'est clairement par là. Je n'aurai jamais... Oh, elle va te faire enculer seulement. Oh, c'est injouable. C'est injouable. Pourquoi vous m'avez réclamé la fin de ce jeu? Pourquoi? Pourquoi? Mais regarde. Mais c'est quoi ce bordel? C'est un jeu pour les enfants. Mais c'est Just Frame, quoi. Vas-y, dis-moi qu'il faut faire la salle d'après aussi, bon, en même temps, espèce d'enculé. Mais oui. Mais oui. Bien entendu. McGonagall m'attendait. Je ne tolérerai aucun retard. Non, pas 5 points, Gryffondor. Non, jamais de la vie. En fait, on peut juste se pignoler. Donc là, bah, vas-y, retire des points à Gryffondor, qu'est-ce que tu vas faire? La métamorphose est l'une des formes de magie les plus dangereuses et les plus complexes que vous aurez à étudier. C'est un très beau chat. Quiconque fera du chahut pendant les cours sera Maggie Smith, elle m'excite, mais pas là, quoi. Avec interdiction de revenir, vous êtes prévenus. Regardez ma baguette magique. Non. Et appuyez sur les symboles qu'elle désigne. Encore cette chienlit. Vous devez effectuer chaque série. Calme-toi. Fois pour maîtriser le sort de métamorphose. J'ai coupé The Witcher 3 pour vous montrer ce jeu. Prêt? Non, ce n'est pas ça. Je crois que ma manette s'est débranchée subrepticement. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne va pas du tout. Très bien. Link, put, tip, poup, pap, pip. Parfait. C'est chiant. On peut ne pas refaire la même chose deux fois de suite, s'il vous plaît. À présent, essayez de ne pas vous déconcentrer. Essayez de ne pas déconner. Persévérez. Pourquoi je suis pas en train de jouer à The Witcher? Très bien. Non, c'est pas bien. Excellent. Ça ne va pas du tout. Ça dure combien de temps? Excellent. Parfait. Très bien. Poursuivons. Encore? C'est le purgatoire! Non, ce n'est pas ça! Si, c'est ça! Ah, et puis il me perturbe les enfants derrière à chuchoter là! J'ai l'impression d'entendre les babillages du chat! Excellent! Oh! Ah. Mon cerveau! Travail. Et maintenant, passons aux travaux pratiques. Harry Potter, suivez-moi, s'il vous plaît. Oui, parce que ça, c'était rien.
Oula, on est tout seul? Bienvenue, Harry. Non. Tout d'abord, utilisez votre baguette pour jeter un sort de métamorphose à la statue. Je l'ai pas appris encore. À présent, appuyez sur la touche au bon moment pour que la statue prenne la forme désirée. Voyons non. si vous pouvez transformer cette lourde statue et vous en servir pour atteindre la trappe qui se trouve en haut de la classe. Attention. Avis fort. Oh non. 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 Beau travail, Harry. J'accorde 5 points. Merci Custom Games. Ce jeu ne vaut pas de se subscribe. Pour quitter la salle. Ok. C'est pas un petit peu dangereux quand même au cas où je me pèterai une jambe, mais on s'en bat les couilles. Okay, très bien. En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. C'est pas important la coupe des 3 maisons. C'est des 4 maisons, c'est pas important. Serre d'aigle. Voilà, donc les S. Les mecs en S. Pouf souffle. Les mecs en sec pas. Serpentard. Les sports études. Griffon d'or. Et les arts plastiques. Très bien. Serpentard est en tête du classement. Oh, ça fait chier tout le monde, j'avoue. Putain, souvenez-vous quand même à quel point c'est n'importe quoi. Dans... Parce que les serpentards, hein, on les éduque, etc. On leur donne le bac, on leur donne des positions gouvernementales. Ok, après tout, c'est peut-être une classe comme une autre. C'est peut-être une spé comme une autre. Mais non, parce que quand Voldemort revient à Poudlard, il fait genre ah, j'espère que ma maison va me jurer fidélité. Genre, on sait que c'est genre le terreau de l'extrême droite de la jeunesse nazie, néo-nazie. C'est un truc de malade mental, quoi. Si bien que McGonagall enferme les serpentards dans les cachots. Ce qui inclut donc les premières années, donc les gamins qui ont 11 ans, qui ont reçu leur lettre, genre « Eh, trop bien, je vais apprendre la magie et tout, quoi !» Et genre, le mec a dit « Alors, Serpentard, parce que t'as de l'ambition, mon petit gars !» Et bien, pouf, au cachot, assimile à l'extrême droite la méritocratie, quoi. Et c'est bon, calme-toi, tu es un sale con nazi. Tes parents, c'était des bourreaux d'enfants. Voilà, le monde d'Harry Potter, génial. Serpentard, n'est-ce pas ? C'est un porteur, n'est-ce pas? Merci, Bob Fanan. Du moment qu'il n'y a pas, genre, la dernière fois, 200 donations d'un euro pour me faire dire des vieux jeux de mots en si. Genre, si V de lapin. Genre, merci V de lapin et toutes ces autres joyeusetés. Vas-y, rote-moi la gueule, je te dirai rien. Qui ferait ça? Hey, on est même pas à 50% du jeu. Les nazis étaient d'extrême gauche, Benzaï. Oui, oui, oui. Alors, oh, si vous commencez à débattre... Pourquoi j'ai parlé de ça? Ferme-la. Mais le point Godwin, oui, mais parce que... Là, je parle de ça parce que les mange-morts, c'est vraiment des nazis. C'est vraiment un truc, une analogie de l'extrême droite, enfin du. De la bête. Merci Captain Jack Argo. Si tu gagnes, je te le rendrai. Peut-être. Ou peut-être pas. Tu verras bien. Allez, allez, c'est parti. Tu es mal habillé. Je ne veux pas te suivre. Avis fort. Oh putain. Hein? Ouais! Putain, moi qui ne voulais pas avoir la migraine sur ce stream, très bien. C'est ici qu'est le départ! Tu dois courir de poutre en poutre! Et mais à quoi servent ces couloirs? C'est quoi cette école? De mucus de verre à crasse! En ton honneur, cher Potter! Si t'arrives le premier, tu gagnes! Allez, c'est parti, petit Potter! On est 1000, ça y est! Oh putain. Oh putain, pourquoi la caméra a changé? On remarque tout droit ça marche. Merci Freddy. Ha! Ha!
Merci Rocco Siffredi, j'ai envie de dire. Oh c'est dégueulasse. Oh ça va, il m'attend, on a du pot. Peut-être presque du gameplay, mais je rappelle qu'il saute tout seul. Hein. Mais qui a construit ça? Qui c'est là? Quoi? Mais pourquoi vous manquez de tuer un enfant? Mais quand est-ce que je vais me coucher? Je viens d'arriver à Poudlard. Oh Nick, mange tes morts. Oh là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. J'ai perdu, je crois. Non mais... Mais que c'est dégueulasse! Oh mon dieu, la PlayStation 1 qui ne sait plus où elle habite. Attends, là faut faire un long jump. Yahoo! Oh! Oh là là, le raccourci speedrun. Oh là là! Stream en 60 FPS, bien sûr. Hein. Nous allons battre le record du monde. Uniquement sur cette phase. Putain, allez, c'est un jeu pour gosses. Allez, concentration. Non mais on s'en fout des bras dragés de merde. J'ai l'impression en plus qu'il faut pas en louper un seul pour vraiment avoir les 50 à chaque fois. Mais non, on ne ressaute pas comme un abruti, fini. Pas si mal fait pour de la PS1. Non mais c'est de la PS1 dernière génération. Il y a 50 fois, il y a 50 jeux plus beaux que ça. Ouais, wow, t'as raccroché, c'est pas juste. Pif, n'était pas prêt. Ferme-la. Tiens, prends-le ton paquet. Pourquoi il est vite. M'a laissé cette cape d'invisibilité avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. What? Bon usage. What? Utiliser hein? La cape d'invisibilité. Ramasse des symboles d'invisibilité. Non. Attention, leur effet s'estompe rapidement. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Dumbledore, c'est nul à... J'ai une case d'invisibilité, mais il faut la recharger dans des points comme ça, ou qui font. Il y aura des checkpoints d'invisibilité, très bien. Ça me rassure beaucoup. Mais maintenant, je vais où, putain? Ça respecte pas beaucoup le livre. Ça, c'est ce que je me suis dit quand même, je pense, à la première seconde où j'ai lancé le jeu. Vas-y, là, on est au moins à 50%. On est à 50%. Si on est à 50%, j'arrête le stream tout de suite. Mais du coup, faut aller où? Attendez. Quoi? Mais... On est 1052, ce qui est beaucoup trop. Mais ça dépasse l'entendement, il y a des... Ah merde. Merci, il y a des poils, c'est le gal. S'il y a des poils, c'est le gal. Quoi? Ça dépasse l'entendement. Merci Trollvakin, mais ça c'est un vrai truc. Halte là. Seuls ceux qui connaissent le mot de passe peuvent prononcer le... Vous êtes toujours... Mais je veux pas savoir. Je veux pas... S'il y a du poil, c'est légal. Ah oui, d'accord. Moi, je disais, c'est le régal. Ok, je comprends rien du tout. Où est-ce que je dois aller?
Parce que moi, je me retape pas la course avec Piv. Hein. Ça dépasse l'entendement. Toilette des filles verrouillée. Mais vous me m'enfermez là, bande de jumeaux pourris. Merci, Carnot. Tu veux goûter aux fruits? Non, ouais, je veux pas goûter aux grands frissons. Nous, on te fait le mot de passe. Hein. Bande de dealers, quoi. Putain, vous êtes dans une église, en plus. Je crois que t'as pas le choix. Ah, redescends. Merci. Mais du coup, on peut aller là. Oh putain. Oh, Ruzard. Putain. Alors là, c'est la journée du stress. Attends, je sauvegarde devant lui. Rien à foutre. Je sais même pas que c'est Ruzard, je l'ai pas rencontré. Je viens d'arriver à Poudlard. Eh bien. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'être là. Mais c'est le seul qui est bien fait dans tout le jeu. Parce que le mec était déjà moche dans la vraie vie, en fait. Dans le couloir interdit. Non et non. Dumbledore a donné l'ordre qu'aucun élève n'entre dans ce couloir. Et ne vous Cette voix me dit quelque pas chose. De prendre un passage secret. Miss Taigne et moi-même, nous les connaissons tous. Oh là là. Et maintenant, filez. C'est un peu bizarre quand même. On dirait un peu qu'il a un bas sur sa gueule. Alors, ce jeu me donne chaud, il est trop bien. Maintenant, vous savez tous pourquoi je cache mes cheveux. Oh, merci Anonymous pour avoir dépassé les 4000 viewers. Ben, je te remercie beaucoup. Tu aurais pu mettre une petite blague comme merci V de Lapin, qui est la meilleure que personne n'a faite. Alors. Ah oui, d'accord, il y a carrément genre des fantômes flottants que tu peux utiliser toi-même. Quel est... Ça n'a pas de sens. Merci, Scort. Mais je peux me casser. Oh, pute. Mais enfin. Mais l'effet de transparence est presque bien fait. Hein. Attends, ça va se recharger. Je suis pas foutu. Allez. Est-ce que tu peux faire un long jump, genre. Un petit live. Merci, Kalsdorak. Eh ben écoute, c'est ma déprime aussi que je soigne. Finalement, on n'est pas si différents, vous et moi. Hein. C'est ma déprime aussi. Je la corrige avec des streams en votre compagnie. Putain. Alors, le truc, hein, c'est comme j'ai déjà expliqué, hein, peut-être que vous. Ce jeu a violé votre enfance. En ce qui me concerne, j'étais trop vieux pour en avoir quelque chose à faire. J'étais déjà adolescent. Mais rassurez-vous, hein, ce jeu-là reste 10 milliards de fois mieux. Avoir grandi avec les jeux Harry Potter, ça reste 10 000 fois mieux que d'avoir grandi avec les jeux Terminator 2, par exemple, ou les jeux Alien, ou les trucs comme ça qui sont vraiment, vraiment, vraiment très immondes. Ok, je voulais jouer aussi. C'est un jeu Quantic Dream ? Une animation de stage. Oui, Ruzard, que se passe-t-il? Professeur Rogue. Ah, Kenny Reeves. Vous m'aviez demandé de vous avertir si j'entendais des intrus dans le couloir interdit. Eh bien, Miss Taigne et moi-même pensons qu'un élève essaie de nous tourner en ridicule en passant sans se faire voir devant nous. Ah, c'est l'inverse du bouquin, quoi. Et qu'est-ce que vous foutez là, vous? C'est très intéressant, Ruzard. C'est très intéressant. Et je crois bien savoir de qui il s'agit. Mais putain, espèce de con, école, nous savons comment l'homme qui n'a pas digéré sa date d'avoir été friendzoné par ta mère et il finit par être un héros alors qu'il l'a traité de... Merci, Custom Games. Quelque chose de très spécial. Oula. Je surveille depuis longtemps. Oh, la bouche à pipe. Personne ne doit venir contrecarrer mes plans. Compris, Ruzard?
Oh, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Rogue. Miss Tain et moi-même allons redoubler de vigilance. Ok, mais vous avez pas, t'as pas de pouvoir, donc va te faire foutre. Je réserve une surprise de taille à celui ou celle qui osera me défier. Mais personne veut te défier, bordel. C'est quoi ce passage? Que ouais? Toute cette histoire n'est pas vraiment très tangible, hein. Pourtant, je veux y croire. C'est tellement débile, hein, l'histoire de Rogue. J'ai vu un comics d'ailleurs qui était très drôle. C'est genre, à la fin, t'as Rogue qui est là, genre, oh, regarde mes souvenirs. Oh non, Miss Tain, qu'est-ce que tu fous là? T'es parti de l'autre côté? Je crois bien que vous allez avoir de graves ennuis. Rejette-moi juste dans à l'entrée du couloir interdit, tout va bien. On est 1200, ça ne veut rien dire. Mais je pense que c'est les vacances scolaires, hein, qui font ça. Tout le monde dit genre, ouais, les vacances scolaires, plus personne regarde, et en fait, on est trois fois plus que d'habitude. Donc, comme je disais, hein, souvenez-vous de Rogue, le débile, qui quand il meurt, dit à... Donc je vous spoil, hein, quand même, hein, Harry Potter, bon, les bouquins, c'est quand même assez essentiel. Et qui dit à Harry, genre, Harry, regarde mes souvenirs, tu vas comprendre qu'en fait, j'étais gentil tout ce temps. Parce qu'en fait, je t'ai persécuté à l'école. Mais c'est parce que je t'aimais bien. Parce qu'en fait, je voulais baiser ta mère. Et elle m'a carrément foutu dans la friendzone parce qu'elle préférait sortir avec un autre gars vu que moi, j'étais totalement awkward. Mais tu vois, je l'ai bien pris parce que finalement, j'ai juste détesté ton père. Parce qu'il baisait ta mère. Et quand il est mort, je m'en foutais. C'est juste que j'étais pas content parce que c'est ta mère qui est morte. Et à côté de ça, c'est vrai qu'un jour, bah, on s'est fâché. J'étais pas content parce que je lui ai dit, ouais, on baisse pas. Et elle m'a dit, genre, mais je te dois rien. Et donc, c'est pas vrai, elle me devait quelque chose. Donc, je l'ai traité l'équivalent, hein, de négresse dans le monde des sorciers. Et elle l'a mal pris, je sais pas pourquoi. Elle s'est fait un film, là, comme quoi. Et du coup, on s'est plus parlé, mais pourtant, je t'aime bien. Hein. C'est pour ça que mon patronus, quand même, c'est un... C'est un petit fan, donc hein, c'est triste. Putain, mais c'est quoi ce truc? Ah, faut que le chat regarde pas, c'est ça? Yes. Ah putain, faut arriver derrière le chat pour prendre le truc. Eh, mais le timing est chaud, quoi. Mais me dis pas que Ruzard s'est téléporté. Il a pas de pouvoir, Ruzard. Oh putain. Et Miss Tain aussi, elle a des pouvoirs. Elle est putain de magique. Non, c'est terrible d'avoir aussi bien casté Ruzard. Pour au final qu'il y ait aucun payoff dans le film. Les films, hein, putain, c'est quand même un bel acte manqué. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de merde dans ces films. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce chat bionique aussi? Tu le files pas un sniper? Non, non. Mais c'est affreux. Putain, le mec est aveugle. Aveugle et sourd. C'est vrai que j'ai toujours pas reçu de don de Rius Black. Oh, remercie Anonymous. Bah dis donc. Bon, après, rien n'indique que c'est le même gars. Mais le mec, il m'a laissé les clés quand même. Il est sympa. Alors attends, par contre, du coup, est-ce que c'est ouvert? Ah mais les deux premiers films sont excellents. Je déteste pas le quatrième, même s'il a Sekiku. Et je déteste pas le... Ah, je voulais tellement... Ah putain, obligé d'être invincible.
J'adore les deux premiers films. Je déteste pas le 4-5 et le 7 en fait. Le 8e film, par contre, il se passe un peu n'importe quoi. Mais sachant qu'en plus, c'est que le clash final dans le livre, hein, il est tellement puissant que forcément, t'es un peu déçu. Surtout qu'il y a tout un truc sous-jacent dans les bouquins avec les elfes de maison qui se révoltent, qui prennent de la. Qui évolue dans la société d'Harry Potter, etc. Quoi, grâce à Harry Potter, grâce à Dobby, etc. Et Dobby, il réapparaît, mais il fait pas tout le truc. Merde. Comment il s'appelle le gars dans Germinal. C'est pas Renault, quoi. Il soulève pas les elfes de maison qui finissent par aider au clash final, quoi. Faut oublier qu'Harry Potter, c'est une série pour les teenagers. Oui, mais bon, enfin, j'avais 11 ans quand le premier est sorti, c'est-à-dire l'âge du héros. À la fin, c'est plus du tout teenager. Oh non, même voix dans l'air. Je crois bien que vous... Regarde, je suis derrière lui. Mais la mort de Dobby, elle serait beaucoup plus triste si on l'avait revue dans les films. Il est dans le 2, puis il réapparaît dans le 7, quoi. Ça dépasse l'entendement. Merci, Anonymous. Au chocolat. Ok. Alors, je commence à comprendre pourquoi beaucoup d'enfants ont pété un câble sur ce passage. Je vous promets... un single segment pour le prochain try. Ah, le troisième film, je vais dire ce que j'en pensais, je pense qu'il vaut mieux pas. Parce que c'est le pire des films. C'est le pire film. C'est le pire film et c'est l'un des moins fidèles. Le 6, n'en parlons pas. Il n'y a absolument plus aucun enjeu dans l'histoire. Le prince de sang... Oh, le prince de sang mollet n'existe pas.